Je vous salue tous dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. My greetings unto you all in the powerful name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Je remercie beaucoup le Seigneur qui m'a fait la grâce de me tenir devant vous. I thank the Lord a lot because he was the one that granted me grace to be in front of you. Que son nom soit glorifié. May his name be glorified. Je suis devant vous pour vous donner mon témoignage. I am before you to give you my testimony. Et pour vous dire la vérité sur une vidéo qui a été faite sur ma fille sur YouTube. And to, for me to speak unto you the truth based on a video that was posted on my daughter, which is on YouTube. Amen. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dear Lord Jesus Christ of Nazareth. Je te bénis et je te remercie infiniment. I bless you. I bless you so much. Merci pour la grâce que tu m'as faite. Thank you for the grace that you grant unto me. D'être en vie en ce moment. For me to be alive in this time. Toi, tu connaissais ce jour. You know this day. Je te suis reconnaissante. And for me, I'm grateful unto you. Je te dis infiniment merci. And I say unto you, thanks. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Father Lord God Almighty. Je veux parler de toi. I wanted to speak about you. De ce que tu as fait pour moi, Seigneur. For the thing you have done for me, dear Lord Jesus Christ. Mais je ne sais pas parler, Seigneur. Father, I don't know how to speak, O Lord. Je ne connais rien. I don't know anything. Je m'abandonne à toi. Father, I'm handing over myself to you. Saint-Esprit, prends le contrôle. Holy Spirit, take control. Saint-Esprit, utilise ma bouche. Holy Spirit, use my mouth. Saint-Esprit. Holy Spirit, agis en moi maintenant. Manifest in me right now. In the powerful name of our Lord Jesus Christ. Je plonge tout ce que je vais dire dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I plunge everything that I will say into the precious blood of Jesus Christ of Nazareth. Et que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié après ce témoignage. That may the name of the Lord Jesus Christ be glorified after this testimony. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. In the powerful name of our Lord Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Comme je le disais, je m'appelle Priscille. As I was saying, my name is Priscille. Je viens de Parakou au Bénin. I'm coming from Parakou in Benin. Je suis là pour vous parler de moi. Ce n'est pas de quelqu'un d'autre. I am here to speak to you about myself, not of someone else. Je suis issu d'une famille polygame. I am from a family that practices polygamy. Mon papa qui est un instituteur qui est maintenant à la retraite. And so my father is in a pension right now. He's an instructor right now. He's in pension. 89 à 90. In the year 1989 to 1990. Mon papa avait reçu le Seigneur dans les églises des assemblées de Dieu. So my father received Christ in the church of Assemblies of God. Et ainsi toute la famille est devenue chrétienne assemblée de Dieu. So it happened that the whole of the family will become members of the church of Assemblies of God. Et, mais au fil des jours, in the day passed by, des années, yes, la famille a rétrogradé. It happened that the family backslide. Et chaque personne a pris son chemin. And everyone took his way. Chaque enfant a pris son chemin. Every child have taken his or her ways. Et moi, j'ai pris le chemin de la débauche et de l'impudicité. And as for me, I've taken a way of lust. À partir du coup primaire déjà. From a primary school already or lower upper level already. Je m'amusais avec le sexe. I've been joking or playing with sex already. À bas âge. In lower age. On jouait entre nous. We have been playing among ourselves. Petite fille et petit garçon. It's a young guy and young lady. Et en classe de CE2. In class 4. Je pouvais déjà commencer à coucher avec les grandes personnes. So I began to sleep with old people. I mean, age or advanced people. L'ennemi voulait détruire ma vie. The enemy wanted to destroy my life. L'ennemi voulait faire de moi
une prostituée. The enemy wanted to make of me a prostitute. La Bible déclare dans Matthieu 19 verset 14. The Bible declares in the book of Matthew chapter 19 verses 14. Laissez les petits enfants venir à moi. Forbid not the children to come to me. Et ne les en empêchez pas. Do not stop them from coming to me. Donc, nous devons amener les enfants au Seigneur Jésus-Christ. So we need to bring children unto our Lord Jesus Christ. C'est nous, les parents, qui devons amener les enfants au Seigneur Jésus-Christ. So it's unto us parents to bring our children before our Lord Jesus Christ. Mais moi, en classe de CE2, as for me, already in class 4, je couchais déjà avec de grandes personnes. I'll be already having sex or sleeping with people or advanced in age. Personne ne m'avait amené au Seigneur Jésus-Christ. No one have ever brought me before our Lord Jesus Christ. J'étais laissé à moi-même. I've lived unto myself. Et de CE2 jusqu'au CM2, from class 4 to class 6, la situation s'est aggravée. And the situation has been entrenched. C'était devenu beaucoup plus facile pour moi au CM2. And so it was rather so much easy for me in class 6. Et de CM2 au collège, and from class 6 now to how do you call it, to the upper primary, il faut dire que pendant les vacances, For us to say that in the vacation time, on m'envoie vendre. They have been sending me to go and sell around. Je veux dire aux parents, vous qui faites sortir vos enfants de la maison, ils vont, ils reviennent. Est-ce que vous savez ce qui se passe là-bas avant qu'ils ne reviennent à la maison? I wanted to speak unto parents that you people have been sending up your children, go and come in this way and that way. Do you know what will happen over there before your children return back home? Moi, je partais, je revenais. As for me, I've been going and coming back home. Mais ce qui se passe là-bas avant mon retour, personne ne cherchait à savoir. But what will happen when I go out before I come back home? Nobody is seeking to know. Et c'est dans cette vie-là, j'ai fait le collège. And that is the way I've lived my life in the upper primary. Et au collège aussi, pendant les vacances, j'allais vendre aussi. And in the college also, in the vacation time, I've been going to, how do you call it, I've been going to sell also. Étant une jeune petite fille, a young girl as such, je vous dis que je couchais avec les gardiens. And I can say to you that I've been sleeping with watchmen or security men. Quand je sors pour aller vendre, quand tu vas dans un service, tu vas voir le gardien. Because when you go on to go and sell in certain workplace, you will see always a security man. C'est comme ça, lui, il va faire, les gens vont partir, il va te retenir jusqu'à les gens vont partir, et après, lui va. That's the same way they have been doing their plan, find a way, make sure that everybody close from work, everybody close from work, you make sure he keep you down there till everybody close, and after it, he will take charge of you now. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Je vous dis que je vous parle de ma vie, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. I'm speaking about me, myself, my life, not somebody else. Écoutez-moi très bien. Listen to me really carefully. En dehors de ça, il y a aussi les menus. And out of it, there was also other people, like people that would grind meal. Quand on m'envoie au moulin, when I've been sent to go and grind maize, lui aussi va me retenir, il ne va pas écraser pour les autres. Quand il n'y aura plus personne au moulin là, lui va faire son affaire. And so when I've been sent to go and grind maize, at those center, he too, he'll find a way keeping me until he grind for other women and other people to go. And later on, when people are gone, I'll be what? He will take charge of me. Avant que je ne revienne à la maison. Before I come back home. Les parents ne cherchent pas à savoir qu'est-ce qui s'est passé quand ma fille était en dehors de la maison. And parents will never think of finding out when my child go out, what will happen outside the house. Et pourtant mon papa était sévère. But in other hand, also my father is a, how do you call it, is really harsh and hard on us. Mais malheureusement, cette sévérité ne m'a pas éduqué. But I'm saying that our parents or my father be hard on me, have not educated me or put me on the right angle. Je ne sais pas si j'ai une fois entendu de la bouche de mon papa
virginité. I have never heard out of the mouth of my father a word called virginity. Never heard that. De la bouche de ma maman, je peux dire que je n'ai jamais entendu. Out of the mouth of my mother, I've never heard a word called virginity. Parce que très tôt. Because early. Ma maman a quitté mon papa. My mother left my father. Donc j'ai vécu avec une marâtre. Because I've lived now with my stepmother. Et donc j'ai mené cette vie-là jusqu'au collège. So I've lived this kind of life until I get onto college. Je veux dire quelque chose aux parents. I wanted to say something unto the parents. Vous remettez vos enfants même à leur grand frère ou bien à un tonton. You have been putting, maybe you leave your children with an elderly brother or his brother or maybe someone of that sort. Vous avez une petite fille. Où est ta fille? Elle doit être avec son tonton quelque part. Elle doit être avec son frère quelque part. C'est très dangereux. And he said, oh, where is your daughter? So my daughter might be with one of my, one of her brother or maybe one of the uncle or one of the sort of person like that. Ou bien les parents dorment dans la chambre, les enfants sont en train de jouer avec les voisins sur la cour, les parents ne savent pas ce qui se passe. Sometimes what happens is the parents are sleeping in the room and the children are in the night either playing outside and the parents don't know what is really happening outside there. Je veux vous dire que c'est très dangereux. And I want to tell you that life is really dangerous. Parce que Satan cherche tout le monde. Because Satan is seeking for everybody. Il cherche même les petits enfants. Even the young children. Et c'est par le sexe que les grands démons rentrent. So it's by the attitude of sex that great and bigger demons do possess and do enter. Je veux insister sur le point des enfants parce que tout part de là. Because I wanted to pick point and insist on the matter of the children because everything does start by that place. Parce que le Seigneur a dit, laissez venir à moi les enfants et ne les en empêchez pas. Because our Lord Jesus Christ said, forbid not the children to come to me, do not block them of coming to me. Parce que le Seigneur sait que Satan cherche les enfants. Because our Lord Jesus knows that Satan has been seeking after children also. Parce que moi, c'est à 8 ans que j'ai... Je ne veux pas dire que c'est à 8 ans que j'ai commencé. À 8 ans, je pouvais supporter une grande personne, 25 ans, 30 ans environ. So, I can't just say 8 years because why I'm saying this is that before even getting to 8 years and onto 8 years, I can sleep with men of 25 years and 30 years in that angle. I can have sex with such people. S'il vous plaît, écoutez-moi très bien. Please listen to me carefully. Je vais donner des détails pour vous prouver ce que je suis en train de dire. I wanted to give you certain details to prove unto the things that I'm saying to you. Quand ma fille avait 2 ans et demi. When my daughter was having 2.5 years. Quand moi je suis occupée, après quand je dis où est ma fille, on me dit qu'elle est sortie avec mon petit frère. And so when I was being busy, by the time I turned away, my daughter, they said, he has gone out with my younger brother. Quand l'a commandé et qu'il a pris son parti. And that was sent, my younger brother was sent, that is why he took my daughter to go with him. Et moi je dis, ok, bon démarrage, je vais pouvoir me reposer. And we said to myself, ok, if that is so, now I'm free, my daughter will not worry me anymore, I can now be rest, I rest myself. Après, j'ai constaté que quand il partait avec ma fille, il a doigté. So I've realized that when he has gone out with my daughter like that, he has been fingering up my dummy, inserting my daughter, trying to do it with the fingers. Là, c'est mon petit frère. That was my junior brother. Ce n'est pas comme quelqu'un d'autre. It's not someone else. Est-ce qu'on peut imaginer cela? Can you imagine such a thing? C'est pourquoi les parents, réveillez-vous. That is why parents, wake up, wake up. Restez éveillé. You need to be watchful. En amenant les enfants au Seigneur, restez également éveillé. Bringing up your children unto the Lord, be watchful. Ce n'est pas fini. It's not ended there.
Ma fille va souvent chez ma petite sœur qui a des filles et des garçons de son âge. My daughter been going to my junior sister that have children, young guys and younger of her age. Et un jour, je voulais faire la toilette à ma fille et je vois comme une blessure. One time, I wanted to bath my daughter and I can now realize that there was a, how do you call it, a wound on her private part. Je dis, mais c'est quoi cette blessure? Qui t'a fait ça? And I was asking my daughter, why, how come this wound is here? Who have done such a thing to you? Elle a appelé le nom de mon, ma, la, de ma petite soeur, l'enfant de ma petite soeur, c'est-à-dire mon neveu, c'est ça. So, she began not to call the name of one son of my nephew. Le nom de mon petit neveu. The name of my nephew. The name of the son of my nephew. Thank you. J'étais découragée. And I was discouraged. Comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Can you be able to imagine that? Mais les parents étaient présents à la maison. The parents were present in the house. Comment ça s'est passé? How does that happen? Dieu seul sait. Only God knows. J'ai envoyé, ce n'est pas fini, je continue. It's not ended, I'm continuing. J'ai envoyé ma fille fréquenter chez son papa. Je l'ai envoyé faire une année scolaire. So I've sent my daughter to go and stay with my, with the father. She has gone there for schooling for 1 year. J'avais parlé de 2 ans et demi. I've talked first about 2.5 years. Après, elle a eu 5 ans. After this one, she's now having 5 years. Le neveu, mon neveu là, c'est 5 ans que ça s'est passé. So when I'm talking about my nephew, it was the issue when she was 5 years. Et je l'ai envoyé maintenant fréquenter chez son papa 6 ans, 7 ans. So the time that I sent my daughter now to the father to stay there to go to school, she was around 6 to 7 years. Elle a fait une année scolaire, elle est revenue. She had only gone there for 1 year of schooling and she came back to me. Et à 10 ans, and on 10 years now, j'ai fait asseoir ma fille. When she's 10 years, I sat down with my daughter, sorry. Je dis, grâce divine. And I said, divine grace. Parle-moi. Speak to me. Elle avait 10 ans. C'était son jour de naissance. Voilà. So she was 10 years and that was her birthday. That day that we sat down on 10 years, on the birthday of her 10th years, that was where we sat down. Et je l'ai fait jeûner le jour-là. And that very day I made her fast. Et je lui posais la question de savoir, qu'est-ce que tu m'as caché depuis quand? J'aimerais que tu me dises, on va prier, on va demander pardon au Seigneur. And I asked her that, okay, tell me my daughter, confess unto me the things that you have had for me from then till now, so that we can be able to seek the face of the Lord and plead the Lord's mercy based on that. Elle m'a dit que quand elle était avec son papa à Cotonou. And so she said to me that when she was with the father in Cotonou, the capital town of Benin. Il y avait 2 petits garçons dans la maison qui lui ont fait des doigtés. And there were 2 young guys in the house with them that has used their finger to touch her, I may say, private parts. You understand? J'étais fatiguée. I was tired. Et j'ai dit, ok, c'est pas grave. And I said, ok, this is not too much. On a prié. And we prayed. On a demandé pardon à Dieu. And we seek the face of God for forgiveness based on that. Et je vais vous dire que nous-mêmes, les parents, nous occasionnons ces choses. And I wanted to say, we the parents, sometimes we have been allowing this kind of things. Au moment où moi j'étais enceinte de ma fille. When I was pregnant of this, my daughter, je vivais seule. I was living alone. Et un ex concubin, an ex concubine, m'a rendu visite. Visited me. Et le ventre était gros. And the stomach, I may say, was up. Comme il ne pouvait pas monter sur moi. As he cannot, I may say, be on me for sexual intercourse. J'avais peur aussi parce que le ventre c'est pour quelqu'un d'autre. And I was afraid because even the baby in the tummy then was for someone else.
Je voulais qu'il me donne de l'argent. I wanted him to give me money. Lui aussi voulait me donner. He too, he wanted to give me. Mais il ne voulait pas me donner ça gratuitement. And he too, he doesn't want to give unto me freely. Il fallait coûte coûte faire quelque chose. He wanted assuredly do something first. Et là, il m'a fait des doigts. And there, he had to finger me. Voilà, l'histoire veut se répéter. Look, this the story wanted to repeat itself. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Quand j'ai fini le collège, when I finished the college, je n'ai pas fini. J'ai fait deux fois la classe de quatrième et puis j'ai été exclu. So in the college, the third year in my college, I've repeated that class twice. So for that reason, I was sacked out of the school. Et je suis allé faire une formation professionnelle. So I've gone for certain attachment, a certain training as of that sort. J'ai eu le diplôme de secrétaire dactylographe. So I was able to being a secretary onto a job. Je suis devenu donc secrétaire dans une boutique de papeterie. So I was able to be a secretary in a bookshop and a library. Et c'est là que mon grade démoniaque encore augmenté. That was where my demonic grade been increased. Parce que là, les amis de mon patron défilaient. For there, friends of my master or my boss at job, for them, they are running to and fro. Et voilà, une jeune fille naïve, il faut en profiter. So the point is that an innocent girl working over here, let us profit. Et moi aussi, je laissais aller. As for me, free, I'll be open for them to go. Donc j'ai couché avec la plupart des amis de mon patron. So I might say that I slept with most of the friends of my boss at my workplace. Et finalement, y compris lui-même. And finally now, the boss himself has taken charge. Je vais vous dire que le premier grossesse que j'ai eu à avorter, c'est un ami de mon patron qui m'a amené dans un coin pour faire l'avortement. So I wanted to say my first pregnancy that I've aborted, it was a friend of my boss at where that impregnated me, so sent me onto a sector that the abortion was done on me. Et comme lui, il m'a ouvert le chemin, même sans lui, j'allais là-bas seul. So as now he was the one that introduced me into that place that they have been doing abortion, now I know the place. So without him now, I do go there myself. Il y a un autre encore qui m'a introduit dans un autre coin. And there was another person that also have led me to another angle also, where they have been doing abortion there. Donc ça me fait deux coins. So now it is now two places. Soit c'est à gauche, soit je vais à droite. So if not by the left side, then it's by the right side I've been going. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Thank Lord, our Lord Jesus Christ of Nazareth. Il m'arrivait. It happened. Que pendant les week-ends. That in the weekends. Si je n'ai pas eu de rendez-vous jusqu'à le week-end est venu. If I don't have any kind of maybe appointment till the weekend and the weekend comes in, sorry. C'est comme si je vends quelque chose qui n'a pas trouvé de marché. It's like selling something that have no a client, that have not yet found a client to sell onto. Et je dis mais il y a rien ce weekend, je vais rester comme ça. And to me it's like this weekend there's nothing, so should I be like that? Je prends mon portable. I will take my mobile phone. Moi-même je commence pas à bipper. And me myself, I'll start flashing, start je to call certain people, flashing them je one to the other. Je bip en haut, je bip en bas. Flashing this number, that number, that number, trying to reach this and that. Finally, je me retrouve avec beaucoup de personnes. And now by the time I realize, I can find myself with many people. Et il arrivait même que je puisse aller avec 3 à 5 hommes dans la journée. So it happened that it will happen that sometimes in a day I can go out and I say clearly having sex with about 2 to 5 men in a single day. Pourvu que le temps me le permette. Just only if the time is brought to me, I'm free to go. Il m'arrivait aussi quand j'étais en formation. It happened to me that when I was under training or going on to training, d'avoir tellement envie
For me to have so much the desire, quand je sors, I do go out. Je rentre seulement, je marche. And then I do go out and begin to walk on the streets like that. Espérant que quelqu'un va m'arrêter pour me faire la cour, je vais vite accepter. And for expecting that somebody might call me and quickly I will accept. Pour aller me satisfaire. For me to go and satisfy my need, my sexual need. Parfois, même sans rien, j'étais partante. Même sans rien, même si on veut rien me donner. Sometimes, even not even paying me anything, not giving me anything, I'm ready to give in. Et je suis arrivé à décompter une dizaine de grossesses. So, I may now come to a level to count numerous of pregnancies. C'est ce que je me rappelle ça. Je ne dis pas que c'est ça. C'est le minimum dont je me rappelle, c'est ça. So the minimum that I can remember, I'm not saying it's that bad, the pregnancy that I can remember that I got, it was over tens of them. Over a dozen, I may say, sorry. Alleluia. Praise God. Je rends grâce au Seigneur. I give glory unto the Lord. J'étais avec trois jeunes filles. Un groupe de trois jeunes filles, un trio. So I was with, I may say we are three, maybe with three certain ladies, we are into three. On va en boîte. So we have been going to the nightclubs. On va à la piscine. We have been going to the swimming pool. Avec des bouteilles de vin. With the wine bottles. S'il y a un copain de quelqu'un qui l'appelle, elle va joindre les deux autres et puis on ira. If one of the, how do you call it, boyfriend of one call her to come, then she will alert the two other of us, then will be three in number and then we will go there. Il arrivait même que le copain de l'autre passe par derrière pour venir encore coucher avec lui. And so it will happen that maybe the boyfriend of the other lady can pass behind her and come and have sex with the other lady. Au jour d'aujourd'hui, je vous dis que ces deux sont séropositives. And I can tell you today that those two ladies are HIV positive. Et elles n'ont pas reçu le Seigneur. And also to know they have not yet received our Lord Jesus Christ. Il y a une que j'ai fait venir dans mon salon. There's one that I brought into my hall. Je l'ai fait asseoir. And I sat down with her. Je l'ai fait écouter l'apôtre Gabriel Touffler, le père des nations. So I made her listen to the message of the Father of all nations. Plusieurs types de vidéos que j'ai fait définir. Numerous kind of videos that I made her listen to and watch. Mais elle est restée égale à elle-même. And but she restrained unto herself. Elle prend les médicaments. She's taking drugs. Aujourd'hui, si on se met ensemble, vous allez dire que c'est moi qui suis atteinte. And today, when we are standing, you would think that I was the one that was a victim of HIV. Parce qu'elles ont de l'embonpoint. But because as for them, they are well in the flesh. Mais est-ce que leurs âmes ont de l'embonpoint? And the point is that as they are fat or they are growing well in the flesh, is also their soul as such. Pour moi, l'avortement, c'était de l'amusement. For me, abortion is like a joke. Play. À tout moment, si je veux, quand je veux, je le faisais. Ça anytime, any moment when I want, I've been going to do abortion. Ça ne me dérangeait pas parce que je me disais que ce n'est pas, ça n'a pas fait un mois, ça n'a pas encore fait deux mois, donc ce n'est pas grave. So to me, it doesn't say anything to me because I do say to myself, oh, it did not do 1 month yet or 2 months, so to me, it's not a bad thing. Donc je n'avais pas de réserve aussi pour le sexe. As for me, I don't have any reserve or of that sort for sex. C'est quand je veux, avec qui je veux et comme je veux. It's where I want, with whom I want. Il m'arrivait même. It do happen that even. De prendre mon téléphone portable. And took my mobile phone. Je photographiais mon sexe. And I'll take picture of my private part. Et j'envoie à un correspondant sur Facebook. And I'll send onto a correspondent or a friend on Facebook. Je photographiais aussi ma poitrine. And I'll also take picture of my chest, my breast. Et j'envoyais à Facebook. And I'll send by Facebook. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Il m'arrivait aussi. It does happen.
quand je sortais avec les hommes mariés. When I've been going to married men. Ceux-là qui n'ont pas envie de me marier, qui ont peur de leurs femmes. Those that are do not want to are afraid of marrying me and they are afraid of their wife also. Je les connaissais. I know them. Donc je viens vers toi, je te dis que je suis enceinte. I'll come to you and I say I'm pregnant. Et je ne peux pas garder, je veux avorter. I don't want to keep it, I want to abort it. Donc comme lui aussi ne veut pas automatiquement, as they don't want automatically, je donne mon montant que je veux prendre. I'll call my amount of money that I want to take. C'est 50 000 francs. And this one is 50,000. Et je te prends ça. And that 50,000 francs CFA will be given to me. J'ai fait ça à une même personne deux fois. I've done it to one person, single person, twice. Mais deuxième fois, il m'a pas donné 50 000, il m'a donné 35 000. And the second time, I've not given 50,000, he gave me 35,000 francs CFA. En 2003, in the year 2003, j'étais atteinte d'une IST, infection sexuellement transmissible. And so I was attended by a sexual transmitted disease. Et on m'avait fait une ordonnance. And there was a medical report that was given to me. D'un antibiotique qui coûtait 10 000 francs la boîte. And so I was, the doctor prescribed me, sorry, a drug which is of amount of 10,000 francs CFA. C'est une injection. It's an injection. Et j'ai pris l'ordonnance. And I took. J'ai commencé par donner ça au partenaire. And I begin to give. I took the paper. I begin to give onto my partner. Il y a un vieux qui est venu me compter en espèces les 135 000. En espèces de l'argent, 135 000. And there was a man, an old man, advanced in age, that came and counted onto my hand cash 135,000 francs CFA. Et j'ai dit moi, je ne veux pas acheter ça. Moi, je vais faire autre chose avec l'argent. And I said, then, man, I'm not going to buy a drug with this. I'm going to do something else with this money. J'ai pris l'argent. I took the money. J'ai fait autre chose avec. And I used the money to do something else. Une autre personne est allée acheter le produit m'a apporté. Lui, il a été plus intelligent. And another person have used his money to go and buy the medicine for me. He is so wise and intelligent. Mais il a acheté seulement. Moi, j'ai dit, pourquoi c'est cher comme ça? Moi, je ne vais pas utiliser ça. When he bought it, I said, why is the thing so expensive that it's me? I will not use it. J'ai pris les produits que j'ai retournés dans une autre pharmacie. J'ai mis en vente. And so I take the drug being bought, send it to another pharmacy where they can sell it for me. Ça n'a pas été vendu jusqu'à la date de péremption. J'ai récupéré, j'ai brûlé sur un tas d'ordures. So this medicine was not being able to be sold in the pharmacy till the expiring date to reach out. So I went to collect them and went burn it. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. C'est aujourd'hui que je comprends. It's today that I comprehend or understood que c'est la grâce de Dieu. That it was the grace of God. Pourquoi je suis malade? On me prescrit quelque chose. Ce n'est pas mon argent, on me l'a acheté gratuitement et j'ai refusé de m'injecter cela. Why am I sick and I was prescribed a drug to buy and I've not even bought it by money. Somebody bought it for me with his money, but I've not even received or even taken it. Antibiotique là, c'est Rosefine. C'est son nom, c'est Rosefine. And the antibiotic in French, the name of that medicine was is Rosefine. Et je n'ai rien utilisé, mais au jour d'aujourd'hui, je suis indemne, je n'ai pas d'IST. So, I may say, I've not used any drug, but today, I'm free and there's no problem with me. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I give glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Qui m'a fait cette grâce. That granted me this grace. D'être encore en vie. That I'm still alive. Parce que je ne mérite pas. Because this life had not merited. Alléluia, frères et sœurs. Alléluia, brothers and sisters. Je ne cesserai jamais de remercier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. I will never cease of thanking our Lord Jesus Christ of Nazareth. Parce qu'il est écrit. Because it is written. Romains 6, 23. Romans chapter 6, verse 23. Le salaire du péché, c'est la mort. The wages of sin is death. Mais le Seigneur m'a fait grâce. But the Lord grant me grace. Je ne suis pas morte. But I'm still alive. Je vis. I'm living. Et toi? And you?
Qu'en est-il de toi? What is of you? Je ne sais pas pour toi. I don't know for you. Moi, j'étais vraiment pourri. As for me, I was rotten, totally rotten. J'étais morte, vivante. I was dead, but still walking dead. Mais apprécié par les hommes. By being appreciated by men. Ça, c'était la beauté du diable. And that was the beauty of the devil. Mais c'est ça que les hommes appréciaient. But those are the things that men will appreciate. Cela me conduisait en enfer. And that was leading me to hell. Et toi, ma soeur. And you, my sister. Et toi, mon frère. And you, my brother. Es-tu encore dedans ou bien tu as déjà arrêté? Are you again in it or you have stopped? Moi, le Seigneur m'a fait la grâce. As for me, the Lord grant me grace. J'ai arrêté. I stopped. Je ne connais pas ton cas. I don't know your case. Mais ce serait mieux pour toi. But it will be better for you. De faire la rencontre avec le Seigneur Jésus. For you to meet our Lord Jesus Christ. Afin de pouvoir arrêter. For you to be able to stop. Ma vie va prendre une autre tournure. My life has to take another turn now. En 2005, quelque chose va se passer. In the year 2005, something might begin to happen. Il y a une amie qui m'a introduit sur un site de church. Oui. There was a friend of mine that introduced me on a website of church. Il y avait une amie, c'était dans le passé. It was in the past. There was a friend that introduced me then. En 2005. In the year 2005. Et j'ai pris goût à cela. And that was so good to me. Parce que là-bas, because there, facilement tu allais trouver ce que tu voulais. And you easily can find what you want. Mais j'étais allé tomber sur un jeune homme célibataire. And so I've gone to fall upon a young guy, which is not yet married. Qui a manifesté le désir de faire de moi sa femme. Oui, this bachelor have taken the desire to make me his wife. Et j'ai été un peu consciente. And I was in that moment. J'ai dit, je ne vais pas laisser passer cette occasion. And in that moment, so much in conscience, I said, no, I will not let this occasion or this opportunity pass me by. Parce que je suis la grande sœur de ma famille. Because I was a big sister in the family. J'ai des sœurs qui ont déjà fait 2-3 enfants. I have certain sisters that already have 2-3 children. Et moi, j'étais toujours célibataire. And as for me, still in my bachelor state, no husband. 28 ans, 29 ans, jusqu'à 30 ans. 28, 29, now hitting 30. Donc, à 28 ans, j'ai fait la connaissance de ce monsieur-là, en 2005. So it was in the year 2005, in my 28th year, when I met this bachelor, this younger. Bon, c'est en 2004. En 2004. Et en 2005, il est venu faire la dot. So it was rather in the year 2004. And in the year 2005, he came and paid the dowry. Parce que j'étais dans la débauche, mais j'avais encore un minimum de conscience. And so in that time, I was living my last full life, but still I have a minimum of my conscience still active. Je lui ai dit, avant que je n'entre dans ta chambre, tu dois me faire la dot. So I said unto him that before I enter into your room, then you need to pay my dowry. Il a accepté. He accepted. Mais avant ça, on faisait tout. But before then, we have been doing everything. Il n'y avait pas de limite et il n'y avait pas de réserve. And there's no limit nor reserve unto this case. Maintenant, le 6 août 2006, il était venu faire la dot. So the 6 August 2006, he came and paid the dowry. Et je l'ai rejoint. And I've gone to join him. Moi, j'étais à Parakou et lui à Cotonou. So that time I was in Parakou and he was in Cotonou. Plus de 400 kilometers nous séparaient. It was at that time 400 kilometers to separate us. Et il était venu donc avec ses parents, ils ont apporté la dot. So he came with the parents and they brought the dowry. Et je vous dis, avant la dot. And so I wanted to tell before they came and paid the dowry to my family. J'ai circulé mes anciens copains pour leur soutirer encore de l'argent. So I go around on my old boyfriends to draw or to withdraw money from them. J'ai dit ouvertement à tous, je veux me marier, il faut me donner de l'argent. I said to certain others directly, I want to get married and you people need to give me money. Quelqu'un m'a fait un chèque. Some people grant me check. D'autres m'ont donné en espèces. And some people give me physical cash. Et c'est moi qui ai pris la réception en charge. And for me, I was the one that took the reception in charge. Les photos.
the photo. On a fait un album complet. C'était moi. We did a full series of photo, an album. On a it fait, was me that paid those things. On a fait cassette. They do video coverage. Those cameras, I was the one that paid. Tout cela. Et après, même il y a un habillement qu'on a fait ensemble, c'est moi qui ai acheté les habits. Even on pain of my doubt, the ceremony time, there was a dress that I am, the guy we went together, I was the one that sold that dress. Avec l'argent d'autres hommes, je viens entretenir un autre homme. So with the money of other men, I've now come to engage with another man. Et je vais dans un foyer comme ça. And I've gone into this marriage, I may say into this home like that. Ok, on verra la suite. And now we'll see the continuation. Je suis rentré dans le foyer. I enter into this home now, into this marriage home, I may say. Environ, ça n'a pas duré quand même. It have not lasted, I may say. Les petits problèmes ont commencé. Then little problems begin to emerge. Et en même temps, quand je l'avais rejoint, j'avais encore mes effets dans ma ville, à Parakou, que je revenais chercher le 30 août 2006. So I have certain things because when I move with him in Cotonou, there are certain things that I still have in Parakou, my belongings. So I need to move down in the 13th August 2006, move down back to pack my things in Parakou. Et quand je partais dans mon foyer, je n'ai pas pris la bénédiction de mon papa. So when I was going into my marriage, this marriage, I've not received the blessing of my father, my biological father. Il m'avait fait quelque chose, j'étais fâché contre lui. Because he did something to me and I was angry against him. Très tôt, je devais prendre le départ pour Cotonou parce que c'est une occasion personnelle qui venait me chercher. So early, I need to now prepare to come back to Cotonou because I was in a hurry, and also there was a private car that was awaiting for me to pick me back to Cotonou. Et j'ai écrit un message à mon papa. And I've written a message to my father. J'ai dit moi je m'en vais. And I said to him, I'm going. Tu vas rester seul dans ta maison. You will be alone in your house. J'ai déposé la lettre, je suis parti. And I leave the letter down and I've gone. Maintenant, le 30 août, j'ai fait le programme, j'ai dit, comme je ne suis pas en paix avec lui, il peut m'empêcher de prendre mes effets. Donc, j'ai calculé au moment où il ne sera pas présent, je vais venir rajouter mes effets et je retourne encore. So, I made up my mind and calculated everything as I'm not in a good time with my father, he might find me some way to block me not to pack my belongings. So I calculated the way that I might come in such a way and pack my things and go back without his knowledge. Et très tôt le matin, j'ai pris la route de Cotonou. And early in the morning, I took the way of Cotonou. J'ai quitté Cotonou. I leave out Cotonou. Et j'ai pris un taxi à Saint-Place. En ce moment, il n'y avait pas les bus. Il n'y avait pas les bus. And that time, there was no this long buses, but I took a taxi of 5-seater place. Il s'est fait que en approchant de ma ville de Parakou. So it happened that getting close to my town, Parakou. Moi, j'ai commencé à dormir. I started sleeping. Je me suis réveillé à l'hôpital. So I come and wake up at the hospital. Donc j'ai dit ah, donc il y a eu accident. And I said ah, there was an accident. J'ai cherché à savoir comment ça s'est passé. So I've now seek out to find out what happened. On m'a dit que le chauffeur a eu crevaison et il a freiné, le véhicule a fait tomber. So, he said that the wheel blasted and it happened that the driver speedily put his leg on the frame and it happened that the car turned over. Et dans le véhicule, après le chauffeur, c'est moi qui suivais. So, in the taxi, after the, how do you call it? The driver, I was the one that followed him. Comme le véhicule a eu tonneau, le chauffeur et moi, notre cas était les plus graves. So, as the car rolled over, I and the driver, our case was intense. Donc, d'urgence, on nous a transportés au centre de santé le plus proche. So, in emergency case, we were transported to a closer hospital. Lui, il est décédé là-bas. Le chauffeur est décédé. So, the driver was dead in the hospital. Et moi, comme je réagissais, l'ambulance m'a pris d'urgence et m'a amené au centre hospitalier, c'est-à-dire dans la ville où j'allais. So it happened that when the accident happened, the driver died at the spot. They asked for me as I was, they saw that I was in certain movement, I mean, literally conscious. The ambulance took me directly onto the city of Parakou that was going into the hospital in there. Nous avions eu rupture de rate.
c'est une expression médicale, rupture de rate. Il y a un truc dans le ventre comme le pancréas, la bile, le foie. C'est un truc comme ça qui n'est pas trop reconnu. Ça joue aussi un rôle. C'est pourquoi Dieu a fait ça dedans. Donc c'est ça qui est cassé. So it happened that that among my organs, maybe. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Je disais que j'ai pris et j'étais juste collé au chauffeur dans le véhicule. So I was saying that I was by the side of the driver in the car. Donc quand le véhicule s'est renversé, so when the car rolled over, le chauffeur et moi avons eu le même problème. Me and the driver have the same problem. Rupture de rate. So this is what among our organ in our tummy, I would say there was one of the organ that got blasted, I may say, crashed. That was what happened to us. Et transporté au centre de santé le plus proche de l'endroit. So when we be conveyed to the nearest hospital, le chauffeur lui s'est éteint là-bas. But the driver asked for him. We are having the same problem, but as for the driver couldn't survive it, he died. Et moi, ils ont fait un test, ils ont vu qu'il y avait encore la vie en moi et rapidement ils m'ont amené au centre hospitalier départemental. So as for me, when they checked on me, they realized that I was still having a life in me. So quickly, the ambulance drove me to the biggest hospital in the city of Parakou. Voilà. Le centre hospitalier départemental se trouvait à Parakou, là où je me rendais. So this hospital is in Parakou, where I'm even going. Si je mourais en ce moment, if I die, if I have died in that time, sorry, où est-ce que j'irais? Well, would I have been by now? Ce chauffeur, son âme est allée où? This driver, his soul is where now? Présentement, il se trouve où? Right now, where is his soul? Arrivé au CHD, l'ambulance m'a déposé et puis j'étais reconnu. So, I was someone that people know. So when I got, I arrived at the hospital, the ambulance dropped me. J'ai vécu à Parakou de 1984 à 2018. Oui, 1984. So I lived in Parakou in 1984 to 2018. Je ne suis pas né à Parakou. Je suis allé là-bas en 1984. My place of birth was not Parakou, but I've gone there in the year 1984. Donc les gens me connaissaient. So people know me. Et quand ils m'ont vu, ils ont appelé mon papa. So when they saw me, they called my father. Où est ta fille? Where is your daughter? Papa a dit que ma fille n'est plus ici, elle est à Cotonou. I said my daughter is no more here, so my daughter is now in Cotonou. Votre fille a fait un accident de route et elle est à l'hôpital. Venez rapidement. He said, come quickly because your daughter have an accident and she's not in the hospital. Et là, mon papa était troublé. And then my father was troubled up. Voyez maintenant, mon papa, je m'étais fâché contre lui. Je lui ai écrit ce qu'il ne faut pas lui écrire. Je suis parti. Et maintenant, qui est-ce qu'on a appelé? So now, my father, that I've angry against him, write a letter down to him, and I've gone away. Look at now, he's the one that he was called for assisting me. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Et tu vivras longtemps. Bible says honor your father and your mother and you live long. Voilà, je me suis fâché contre mon papa et j'étais en route pour la mort. And now look at it, I'm angry against my father and now I was on the way of death. Si ce n'était pas une grâce, if it was not for the grace, j'allais partir en enfer. I could have gone to hell. Et plusieurs choses allaient me condamner. And many things have been used to condemn me. Y compris la désobéissance à mon papa. And number one will be count also that the disobedience unto my parent, my father. Parce qu'il était vraiment fâché contre moi. Because he was really angry against me. Gloire au Seigneur, on a pu régler ça. Glory unto the Lord that we're able to restitute that. Donc mon papa était la personne qui est venue là-bas et qui a faire les premières dépenses. So my father was the first person to come there and do the first, how do you call it, expenditure that was. Mon monsieur aussi, il est venu et il a pris soin de moi. And also my man also in question also came and took care of me. Et je suis guéri, je suis sorti de l'hôpital. And I was healed and I was dropped out of the hospital. Donc je vis sans la rate où je suis là. So right now where I'm living now, that organ is no more in me.
Et depuis ce temps, je ne suis jamais tombé malade, hospitalisé à l'hôpital. So I'm living without it, and since then to now, I've never fallen sick and been hospitalized. Même tombé malade, prendre des comprimés, non. Even fall sick and take drugs, no. Parce que je ne le savais pas, que je ne dois pas prendre des comprimés. Because I don't know that I'm supposed not to take en drugs. En désordre, à cause de ce que je n'ai pas de rate. Because of that organ that I'm missing me, I'm supposed not to take any other drugs just like that. Mais la foi que j'avais me disait que je ne dois pas prendre de comprimés. Et même si ma fille est malade, je disais, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital. Parce que le Seigneur Jésus est le même, il n'a pas changé, s'il a guéri. Ça veut dire qu'aujourd'hui le problème c'est nous. Donc moi je crois qu'il peut guérir. So with the faith that I have in all this and that, even when my daughter is sick, he said no matter of hospital and this and so on, that Jesus Christ have done everything for us, and if Jesus could have healed, then we'll be healed. So those are the things that faith that I base myself on. Donc c'est bien après que j'ai su un jour que parce que je n'ai pas de rate, je ne dois pas prendre des comprimés n'importe comment. So it was after that organ that is being called in French rate that I don't have that I'm supposed not to take any medicine just like that. La seule conséquence pour rupture de rate était que. So one consequence of that organ rate in French when you don't have it. Si je souffre du palu et que ça a été maltraité, if I'm suffering of fever and it is not well treated, si la maladie rechute, if the sickness come back again, que je vais mourir, I will die. It will kill me. C'est ce que les médecins m'ont dit à l'hôpital. Those are the things that the doctor said to me in the hospital. Donc, on m'a conseillé pour traiter le palu, c'est avec de l'eau. So I was advise that to treat fever is with water. L'eau simple. Only normal water. Quotidiennement, je dois en prendre assez pour éviter que les microbes s'accumulent pour me donner la maladie. So, and to me, I need to be taking more water for the bacteria, those things, not to gather themselves for me to have the sickness. Donc je dis gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui m'a fait cette grâce. So I say glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth that grant me this grace. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne savais vraiment pas pourquoi le Seigneur m'a préservé. I do not know why the Lord preserved me. C'est aujourd'hui que j'ai compris beaucoup de choses. So it was today that I've understood many things. Et Romains 9, 18 dit. Romans chapter 9, verse number 18 says something. Dieu fait miséricorde à qui il veut. God grants mercy unto whom he pleases. Et il fait grâce à qui il veut. And he grants grace unto whom he pleases. Dieu voulait me donner une autre occasion. God wants to give me another opportunity. Dieu me donnait un avertissement. God was giving me a warning. Mes frères et sœurs. My beloved brothers and sisters. Dieu nous aime. The Lord Jesus loves us. Et particulièrement moi, au travers tout ce que je suis en train de vous dire depuis, vous devez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth m'aime. Particularly me, because by all the things I'm saying to now, you need to know and understand that Jesus Christ loves me. Et malgré cette grâce, upon all this grace, j'étais toujours aveuglé. I was still blinded. Je suis entré au foyer. I've entered into that marriage. Mais étant adultère. But still committing adultery. Je continuais toujours d'aller avec les hommes à l'hôtel. So I continue again going with certain men in the hotel. Je remercie infiniment le Seigneur, des Seigneurs. So I turned the loss of laws. À un moment donné, j'ai commencé par réfléchir. So a point of time car I begin to ponder upon myself or thinking through. Avec tout ce que le Seigneur m'a fait. Upon all this that the Lord have done to me. Est-ce que ça ne suffit pas pour que je prenne conscience? So is this not sufficient for me to come into myself? Ça fait un. Secondo. Secondly. Il y avait un problème, quelque chose n'allait pas dans ma vie. J'ai pris conscience de ça aussi. So there's a problem. There's something not going really well in my life. I took conscience of that. Comment une jeune fille peut aller avec une centaine d'hommes? How can a young girl going out with hundreds of men? Donc, j'étais vraiment
dérangée. J'ai commencé par dire mes échecs conjugaux, c'est moi-même qui les ai causés. So I begin to worry within myself because I said the failure of my marriage and this month, so on and so forth, is me that have started all this thing. It's from me. Parce que avant ce monsieur, il y avait un autre. Because before this man, there was a previous man before that. Lui aussi était fou amoureux. And he was so much and died in love with me. Et il était venu me faire une petite dot. And he came and do a small dowry. Il a fait la petite dot le lendemain. He had paid the small dot the following day. J'ai appris qu'il a mal parlé de moi. So I've heard that he spoke ill about me. J'ai dit c'est fini, mettez-lui sa dot, je ne veux plus de lui. And I say it is fini, they should give him his dowry, I don't want him anymore. Et jusqu'à ce jour, quand j'ai dit c'est fini, tout le monde pensait que c'était la blague. Il manquait de boisson, on lui a dit, il est allé ramener. So, as to today, people still think that, as I said, that I don't want him anymore. People think it was a joke. Even when that time when he brought the drink, they say no, they're still remaining. He has gone again and buy the drinks and come and add to it. But I said no. Moi, j'ai dit non et c'est non. As for me, I've said no and no. Ah, ce monsieur, c'est un infirmier diplômé d'état. So this man is a medical nurse. Et il a les filles de l'éniable, c'est-à-dire là où on enseigne. On enseigne l'école de sage-femme, voilà. So, in a way. Oui, l'école de sage-femme est non loin de son lieu de travail qui est l'hôpital. So the school, the nursing school, is not far from where he's working. Donc il y a les filles là qui le dérangeaient, qui lui rendaient visite à la maison. So there are ladies that have been worrying him and coming and trouble her, him in the house. Et il les fuyait, il venait se réfugier chez moi. So he had been running away from those ladies and come and take refuge at my place. Ah, moi je le trouve embêtant. But as for me, I've been looking at it moi, not really well. Moi j'attends qu'il parte pour que moi aussi je parte. So as for me, I'm waiting for him that he should go so that me too I can go. Mais il dit non, lui ne va pas partir, lui va rester là. And he will say no, he's not going, he will stay in with me. Je dis ok, reste là, je viens. And I will tell him, be there, I'm coming. Je le laisse là, je sors jusqu'à je reviens, il est toujours là dans ma chambre. And then I will leave him and go out and come back and I will still see him there in my room. Donc lui aussi, j'ai brisé son cœur comme ça et puis il est parti. And he too, I break his heart just like that and he's gone. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Glory unto our Lord Jesus Christ of Nazareth. Bobo, 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 Bob
Coco de dit bobo. Papa ou bobo, Yesu bobo. Maria ou bobo. Bobo, Joseph ou. Yendo ou Coco de dit bobo. Yendo ou Coco de dit bobo. Jacques ou bobo, Yesu bobo. Rita ou bobo. Bobo, Pedro. Yendo ou Coco de dit bobo. Yendo ou Coco de dit bobo. Yesu bobo, bobo, bobo. Mose ou miendo ou de di bobo. Miendo ou kou de di bobo. Mose ou bobo, Yesu bobo, 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 bobo. Miendo ou kou de di bobo. Mose ou miendo ou kou de di bobo. Abraham. Yesu bobo, bobo, bobo. Yohanes ou Yendo ou Coco de dit bobo. Esther ou Yendo ou Coco de dit bobo. Anna ou bobo, Yesu bobo. Maria ou bobo, bobo. Pedro ou Yendo ou Coco de dit bobo. Esther ou Yendo ou Coco de dit bobo. Yesu bobo, Sara ou bobo, bobo. Yohanes ou Yendo ou Coco de dit bobo. Matthieu ou Peter. Yesu Yendo ou Coco de dit bobo. Bobo, Yesu bobo, bobo, bobo. Matthieu ou Yendo ou Coco de dit bobo. Yendo ou Coco de dit bobo. Bobo, Yesu bobo. Anna Rebecca ou bobo, la bobo. Sara ou Yendo ou Coco de dit bobo. Bobo, bobo. Yendo ou Coco de dit bobo. Bobo, Yesu bobo. Bobo, bobo, la bobo. Yendo ou Coco de dit bobo. Yendo ou Coco de dit bobo. Bobo, Yesu bobo, Benjamin, Priscila, Samuel, Jeremias, Isaac, Joshua, Josias, Daniel, Deborah, Yesu bobo, Rebeca, Emmanuel, Maria, Rachel, Abigail, Uri, Ezequiel, Acer, Gadu, Gedeon, Ruben,